Contre nous ça va coller. Un point pour Peter Parker. Ces phases là moi je les connais par cœur. Me parle pas d'amour, je suis par terre. Ok Jay tu m'as manqué. Ok Jay tu m'as manqué. Sur côté ou sous côté. On fout poteau, je plus sur le côté. Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo carrière manager avec le PSG les gars. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Maillot à gagner toujours les gars dans la vidéo, un maillot à gagner dans l'unboxing. N'hésitez pas à aller commenter le maillot de votre choix, je vous fais gagner un maillot. Vous avez jusqu'au 1er novembre pour participer. Et après le 2 novembre, j'annoncerai le vainqueur du maillot et puis je le enverrai dans la semaine qui suit. Le maillot de son choix. Les gars, donc, enfin la prochaine commande R2Foot, quand je les reçois, après je lui renvoie les maillots. Ça va être plus simple. Donc là, match, enfin fin du mercato déjà avec le PSG. Et puis les gars, surtout, on a réussi à se sauver en Ligue des Champions. Mais on va devoir se re-sauver face à Manchester City. Double confrontation, c'est les playoffs, ça va être chaud patate. Ensuite, il y a Brest, Monaco et un petit match contre Toulouse. Je sens que ça va être chaud. Mais bon, on est prêt. On est là les gars, on est là. Donc au niveau du budget de transfert, on a 160 millions d'euros. Je pense qu'on va se faire plaisir. Je vais regarder vos commentaires et puis je reviens vers vous, les gars. Donc, les gars, j'ai regardé vos commentaires. Il y a eu beaucoup de Gyökeres, mais bon, Gyökeres, les gars, on va le laisser parce que je l'ai dans la carrière avec... Oh là, ma manette qui... Je sais pas ce qu'elle fait. Je l'ai dans la carrière avec Liverpool, donc je vais laisser là. Jonathan David, ça peut être intéressant, mais Lille ne voudra pas nous le vendre. Donc, malheureusement, on ne pourra pas le recruter. Après... Il va falloir recruter quoi qu'il arrive, les gars. Quoi qu'il arrive, il va falloir recruter parce que là, la double confrontation face à City, ça va être du costaud. Après, ouais, on a Gonzalo Ramos, on a des bons joueurs. J'ai envie de leur faire confiance, moi, à mes joueurs, les gars. Mais ouais, il va falloir quand même une petite recrue, je pense, ou deux, ou trois, ou quatre. Nous allons voir ça ensemble. Déjà, au niveau du gardien, Donnarumma, et maintenant, on a Lucas Chevalier, ça va être en concurrence. Badé, j'ai envie de le recruter, les gars, mais d'un côté, je me dis... Recruter un défenseur central alors que j'ai Hernandez, Kimpembe, Marquinhos, Pacho qui sont extraordinaires. Voilà. Bradley Loco, je pense qu'on va le recruter les gars. Comme ça il va supplier Nuno Mendes et j'en ai besoin. Mais en plus on me l'a conseillé également donc c'est parti. 23 millions d'euros sur Brest, enfin pour Brest. Ils en veulent pas, je vais en proposer 24 millions d'euros. Mais on retire Presnel Kimpembe, hein, quand même, 27 millions d'euros, allez, on va s'aligner dessus, on va pas faire les compliqués, les gars. Bradley Loco, c'est parti, let's go, joueur de rotation, bien évidemment, de toute façon, c'est ce qu'on comptait lui donner, donc, ouais, ensuite, durée du contrat, 3 ans, il n'y a pas de souci, il est bien modélisé, hein, purée. Et au niveau du salaire, oh, ouais, non, 1 euro, je pense qu'il va rejeter directement, hein. 1 euro, c'est sûr et certain, on va lui donner un truc pour pas qu'il refuse, normalement, là. Ok, il veut juste une prime en plus, vas-y, je te la donne. Elle est cadeau, en plus, la prime, 5 titularisations. C'est sûr qu'il va les avoir, puisque je vais faire tourner souvent. Donc, première recrue de ce mercato hivernal, Bradley Loco qui nous rejoint. On avait besoin d'un défenseur gauche. Ensuite, oh là là, les gars, wesh, le joystick qui bug. J'ai envie de faire revenir Neymar à Paris, mais je me dis, est-ce que je le fais revenir dans la carrière avec Paris ou dans la carrière avec Barcelone? Franchement, les gars, j'hésite trop. Et puis, c'est un gros transfert. Pour le moment, on ne va pas se décider. On va le laisser là, tranquillement. Donc, Akliouche. Les gars, j'ai trop envie de le prendre. Mais en vrai, de vrai, il n'est pas hyper rapide. On m'a conseillé Ben Seguir. D'ailleurs, je ne l'ai même pas ajouté. Attendez. Je vais aller l'ajouter directement. Ok, je ne pouvais même pas appuyer sur le B. Super. Ben Seguir, il est milieu gauche, il peut jouer MOC et BU, malheureusement on ne pourra pas l'avoir puisqu'il a signé au Bayer Leverkusen, donc tant pis pour nous. À l'accueil des transferts, on y retourne, tac. Ensuite un gros milieu de terrain, en vrai de vrai, j'ai envie de faire confiance à Warren, Vitinha et notre ami João Neves qui est extraordinaire les gars, donc je pense qu'on va recruter quand même, mais on va recruter... Un joueur comme Yves Bissouma, non, il vient d'arriver malheureusement. Wharton, ça peut être pas mal. Mais, je sais pas. Plus aller piquer à Monaco. Hein. Ouais, piquer à Monaco, Lamine Camara, je pense que ça peut être pas mal, les gars. Ce club, ok, il souhaite pas négocier avec nous, tant pis. Bah, les gars, écoutez, en vrai de vrai, je sais pas si on va recruter ou pas. Hein. Je sais pas. Parce qu'en vrai, je kiffe l'équipe. Bon, après, il nous faut quand même du lourd, hein.
Ouais, il nous faut du lourd quand même. Enfin, pas forcément du lourd, mais vous avez capté. Un peu quand même. Donc, je pense que Rodrigo, moi, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Limite, je le mets en tant qu'MOC. Ouais, en tant que MOC. Donc, Warren va sûrement aller sur le banc. Rodrigo titulaire, les gars. En plus, au Real de Madrid. Eh, bon, là, il était blessé, mais... Non, le Real de Madrid, là... Il utilise mal, quand même. 176 millions d'euros. Oh là 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 là. On pourra jamais. 120 millions d'euros, Ancelotti, c'est notre maximum. Ouais, non, bon. Non, Rodrigo, les gars, ça sera pas pour ce mercato-là. C'est mort de chez mort. Donc... Je pense qu'en vrai de vrai, on va garder cette équipe. En vrai de vrai, on va rester comme ça. À part si je prends vraiment un Cliouche. Un Cliouche, ouais, mais il est pas rapide, les gars. Ça m'embête un peu qu'il soit pas rapide. Parce que je veux quelqu'un, justement, qui sort du banc, qui est rapide. Je veux pas quelqu'un qui va pas m'apporter... Enfin, il peut m'apporter, mais... Je pense que là, vous captez ce que je veux. Je veux quelqu'un... Une flèche. Donc, on verra s'il n'y a pas un agent libre ou quoi qui traîne. Mais je pense que je vais pas recruter en cette fin de mercato. Offre reçue pour Milan Skriniar. Ça peut être pas mal. Et du coup, on va peut-être pouvoir prendre un autre défenseur. Beraldo qui part en prêt à l'Atlético de Madrid. Normalement, les gars, ça va lui faire du bien. Ça peut que lui faire du bien, même, normalement. Donc, Hernandez, il y a un échange. Non, Hernandez, je le vends pas. Par contre, Milan Skriniar, sans vous mentir, lui... on va négocier. Oh là là, la manette. On va négocier, c'est parti. Donc déjà, on va négocier 44 millions d'euros. Voilà, net. On va voir ce qui. Ouais, non, ok, ils veulent plus. Ok, bon, tant pis. Milan Skriniar, il va rester chez nous. Gmail non lu. Bah écoutez, tout ça, on va supprimer. Hop, 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 hop. Joueur blessé, c'était qui? Yoram Zagué, 4 semaines, les gars. Pouh, là, là. Bon, après, c'est pas le joueur que j'utilise le plus, mais ça fait un peu chier quand même. Il reste 5 heures. Offre reçue pour Lucas Hernandez, mais je vais pas le vendre, donc je vais même pas aller voir l'offre. Même s'il veut partir, les gars, je ne vais pas le vendre. Il est fort. Il doit rester dans mon équipe. Certes, t'es pas titulaire, Lucas Hernandez, mais... Eh, reste là, mon gars. Reste là au chaud à Paname, t'inquiète pas. Allez, on continue. Diouf vers le LOSC, Bar vers Bilbao. Mbomo qui a signé à Newcastle. Gros club pour lui, intéressant. À voir ce que ça donne. Nathan Aké vers Tottenham. Ouais, il y a eu des bons transferts, on dirait. Offre reçue pour Gonzalo Ramos. Mais Gonzalo Ramos, je bloque les offres. Voilà. Il est trop important, il revient de blessure là. Il va tout donner, donc je suis obligé de le garder. Il y a Insigne, c'est Lorenzo Insigne. Si c'est Lorenzo Insigne, ils ont fait un très très bon coup. Allez, match face à Brest. Donc on va le jouer les gars, le prochain match c'est face à Monaco mais c'est dans assez longtemps. On va mettre Lucas Chevalier. Eh les gars, pourquoi ça fait ça? Lucas Chevalier, on va mettre titulaire. Je vais mettre Hernandez titulaire également, comme ça, ça va lui faire plaisir. Bradley Loco qui va jouer face à son ancien club. Ça va lui faire bizarre un peu mais ça va lui faire du bien. Imen Kari plus Fabien Ruiz. La Doué, Asensio et en pointe, ouais, Randall. Non, ouais, Gonzalo Ramos, il est moins fatigué. C'est parti pour ce match face à Brest. Là-bas, on espère la victoire. Et non, il n'y a pas d'on espère, c'est la victoire ou rien. Donc voilà, on doit gagner ce match. Asensio, bien joué. Bien joué, Imen Kari. Ah, dommage. Bien joué, Asensio. Dommage, allez. Deuxième chance pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, oui, dans la surface. La frappe, elle est bien jouée, dommage. Bien joué, très bien joué. Oh, Doué, applique-toi, mon gars. Désiré Doué. On va rentrer dans l'axe, bien joué, Désiré Doué. On rentre, oui, le plat du pied, magnifique les gars, 1-0, but de Désiré Doué, magnifique but de sa part, franchement, là il élimine bien le défenseur, derrière il rentre dans la surface, il se met sur son bon pied, enroulé, petit filet, deuxième poteau, c'est magnifique, let's go, 1-0, face au Stade Brestois, à 6 minutes de la mi-temps les gars, ça fait plaisir, ça fait ultra plaisir, voilà, attention, bien joué Lucas Hernandez. Bien joué, pas chaud. Bien joué, mon gars.
Ayman Kari. Non. Non. Bien joué, Pacho. Bien joué, Pacho. Deux fois. Il est trop fort, les gars. Et il est floqué dans mon. Dans le dos de mon maillot. Hein. Il est floqué. Juste ici. Pacho. Ben oui, les gars. Ben oui. Il est trop fort, ce joueur. Allez. Let's go. Pour la deuxième mi-temps de ce match. Face à Brest. On espère, les gars, une belle victoire là. On espère même un deuxième but. Asensio, c'est quoi ça? Bien joué, Pacho. En plus, il gagne le 6 mètres. Il est trop fort, les gars. Pacho. Bien joué, pas de boulette. Hernandez. Pour Fabien Ruiz. Asensio. Hakimi. Hakimi, dommage, il passera pas. Bien joué, Asensio. La déviation, elle est bien jouée. Mais oui, pour Gonzalo Ramos. Dommage, le contrôle était bien. Et c'était peut-être le plus compliqué à faire là dans cette action. Hernandez, non. Non, ça, c'était Fabien Ruiz. Ouais, c'était Fabien Ruiz, c'était pas Hernandez. Désolé, Hernandez, de t'avoir comparé avec Fabien Ruiz. Bien joué. Purée, malheureusement, là, ça passera pas. Bien joué, Hakimi. Oh là là, mais Gonzalo Ramos, dommage, l'action était magnifique. On va faire entrer Linkanguin à la place de Fabien Ruiz, les gars, au milieu de terrain. On espère qu'il va nous apporter. Zaire Emery. Pour Marco Asensio. Asensio, Zaire Emery. Bien joué, Linkanguin. Oh, il y a Fautou. On va faire le dernier quart d'heure ensemble, les gars. Voilà, Ramos qui prend un jaune, logique. J'ai taclé avec lui tout à l'heure. Bien joué, Désiré Doué. Allez, mon gars, vas-y. Allez, mon gars, n'aie pas peur d'affronter. N'aie pas peur d'affronter l'équipe de Brest. Oh, dommage. Il y avait quoi? Oh oui, un beau coup franc. Achraf Hakimi, pour le tirer. Achraf Hakimi. Non, malheureusement, ça ne sera pas pour le transformer. Mais on le transforme quand même en corner. Marco Asensio vers Gonzalo Ramos de la tête. Il s'impose, mais malheureusement, c'est dans les bras du gardien. Ok, on l'a. Bradley. Et ouais, les gars, maintenant, on a deux Bradley. Oh, dommage. C'est pas cadré, ça, Gonzalo Ramos. 5 tirs et il a pas trouvé le chemin défilé dans cette rencontre. Bon, après, c'est pas très grave. Pour le moment, on gagne. Donc, ça va, j'ai envie de dire. Bradley Loco, let's go. Aucune pitié. Même si c'est ses anciens potes ou ses anciens coéquipiers, aucune pitié. On y va, on les tacle. On s'en fout. Ayman Kari. Bradley Loco, encore en face-à-face, face à Del Castillo, qui connaît très très bien. Bradley Loco, let's go, on gagne. Non, il y a touche. Il y a vraiment un corner, là. Pour moi, il y avait touche, hein. Lucas Chevalier, s'il te plaît. Non. Ok, bien joué. Oh là. Oh là là. Bien joué, pas de boulette, hein. Pas de boulette, magnifique. Magnifique, les gars. Désiré Doué. Il s'est pris un bon tacle. Non, vite, vite, vite. Je sais pas pourquoi j'ai taclé avec Bradley Loco derrière. Il nous a bien éliminé. Let's go. C'est fini ici à Brest. Victoire assez compliquée quand même. Mais bon, on s'en sort plutôt pas mal. On gagne. On ramène les 3 points. Les gars, faut faire un rush en Ligue 1. Faut faire un rush. Faut faire que des victoires. Parce que malheureusement, on a des points de perdu très très bête cette saison. Et là, on est à 6 points de retard du LOSC. Est-ce qu'ils ont, ouais, ils ont joué. Donc, ouais, faut gagner. Faut gagner absolument tous nos matchs en Ligue 1 Uber Eats. Il n'y a plus le choix. Nouveau message de Zaire Emery. T'inquiète pas, Zaire Emery. Ça me fait plaisir aussi de te voir jouer. Offre reçue pour Lucas Hernandez. Je vais même pas aller la voir, les gars. Randal Colomani, petit message. Coach, je vais être franc avec vous. Le manque de temps de jeu nuit à ma carrière. Je veux partir et prendre un nouveau départ. Quoi? Ok. Ok, ok, apprends de tes expériences, Colo. Tu veux partir? Fallait me le dire un peu plus tôt. Je t'aurais vendu directement, j'aurais négocié avec Jonathan David, ok? Purée, vous pouvez pas me le dire avant, là. Sérieux? Hernandez, toi, déjà, c'est mort, tu vas rester au club. Et Randal Kolo Muani, toi, tu pars pas en dessous de 70 millions d'euros. Hein. Ouais, on t'a payé 100 millions d'euros, quand même. Tu vas pas partir comme ça, mon frérot. Heureusement que dans la vraie vie, je pense qu'il veut rester à Paname. Mais bon, là, je peux rien faire. S'il veut partir dans FIFA,
C'est ingérable. Tac, tac, tac. Pas en dessous de 71 millions d'euros. Ça, c'est sûr et certain. On continue d'avancer. Prochain match face à Monaco dans 2 jours, les gars. Dans 2 jours. Randal Kolo Muani. Hernandez, arrêtez. Arrêtez avec Hernandez. Arrêtez là. J'en ai marre. Hernandez ne partira pas. C'est sûr et certain. Voilà. C'est bon? C'est compris? Oh, c'est bon, hein? Allez, on est quatrième de Ligue 1. Ok, on gagne, on revient à 6 points encore du LOSC. Hein. Ils veulent pas s'arrêter, le LOSC. C'est une dinguerie. Analyse de l'adversaire. Monaco, les gars, Cliouz, Golovin, Minamino, Mbolo, Zakaria, Bissouma. Ouais, ils ont une bonne équipe. Singu, ils ont recruté Konsa de Liverpool. Ouattara, Vanderson. Oh là 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 là. Ok, ok. Bonne, bonne équipe. Donc, faut gérer. Parce que, les gars, dans 2 jours. 2 jours seulement de repos. On va jouer face à Manchester City. Donc il faut absolument bien gérer l'équipe. Je vais faire démarrer... Ouais, Hernandez comme ça, il va être content encore. Mais là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Après, ouais, j'ai Renato Sanchez. Il va jouer à la place de Zaire Emery. Gonzalo Ramos, je le garde pour Manchester City. Kolo Muani, il va jouer. Dembélé va jouer une mi-temps. Barco, pareil. Tac, tac. Ça va, ils ont de l'endurance. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, au Parc des Princes, face à Monaco. Il y a le show au Parc des Princes, les gars. C'est un gros match. C'est un gros match, faut le dire. Achraf Hakimi, en gros, comme ça, il le mérite, en vrai, son tifo, Achraf Hakimi, hein, sur ce début de saison. Allez, c'est parti, face à Monaco, les gars. Let's go. Jorge Neves, Nuno Mendes. Bien joué. Allez, Bradley. Bradley Barcola. On passe. Pourquoi il a poussé? C'est quoi, ça? Oh là là, mais Joao Neves, c'est très fort ce que t'as fait. Kolo, faut la finir. Heureusement qu'il y a Ousmane Dembélé qui traînait dans les parages. Et 1-0 à la 9e minute de jeu, les gars. On est bien rentré dans le match. Je peux vous dire que là, ça va être compliqué pour l'AS Monaco dans ce match. Hein. Ça va être compliqué pour eux. Let's go. 1-0, on fait vibrer le Parc des Princes. Allez, les gars, on va se mettre en forme avant Manchester City. Ça fait du bien de voir Dembélé marquer parce que justement, j'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. Face à Manchester City. Et là, dans ce match aussi. Donc, allez, les gars. On va chercher la victoire, là. Randal, bien joué. Vers Kolo. Vers Barcola. Let's go! C'était Randal qui décalait Barcola, plutôt. J'ai bugué, les gars. Mais bon, le plus important, c'est qu'il y ait but de Bradley Barcola. 2-0 face à l'AS Monaco. On est trop, trop bien rentré dans le match, les gars. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Hein. Pff, là, Nuno. Bien joué, João Neves, pour Randal, pour Bradley Barcola. Bradley Barcola, let's go, Bradley. Ok, on garde le corner, bien joué Bradley. Corner, Ousmane Dembélé, vers Marquis. La tête et le but du capitaine, les gars. 22e minute de jeu, 3-0 face à l'AS Monaco. Incroyable, les passes décisives du coup pour Dembélé. Non, les gars. Là, on envoie un message très très fort à l'Europe et plus particulièrement à Manchester City qu'on affronte dans 2 jours ici même au Parc des Princes. Va falloir qu'ils soient prêts parce que s'ils ne sont pas prêts, ça va être cadeau pour nous. Bien joué Achraf. Achraf Hakimi. Très bien joué mon gars. Renato Sanchez. Allez, Ousmane. Oh là là les gars, mais il y a un problème dans la défense de Monaco, c'est pas possible. Bien joué. Oh la passe de Kolo Muani. 4-0 en 28 minutes, les gars. Doublé de Bradley Barcola. Doublé de passe décisive de Randal. Randal, pourquoi tu veux partir, mon gars? Pourquoi tu veux partir? Pars pas. Pars pas. Pars pas, les gars. Et d'ailleurs, j'ai vu que Renato Sanchez avait le numéro 7 d'un certain Kylian Mbappé. Je pense qu'on va lui retirer hein, ce numéro 7 et qu'on va le mettre à Bradley Barcola. Ça peut être pas mal. Allez. Bien joué, Marquis. Non, 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 clean sheet. Clean sheet. Bien joué, Hernandez. Bien joué, Donnarumma. C'est quoi cette parade de ouf? Même s'il y a main. Quelle est cette parade de ouf qu'il nous a faite? Voilà. Il l'aura ou pas? Non, il l'aura pas. Dommage. C'était une belle action. On va rester ensemble jusqu'à la mi-temps. Cette première mi-temps était mais magnifique de la part de mes joueurs. Vitinha. Vitinha. Vers Ousmane. Ousmane Dembélé qui rentre dans l'axe, qui passe et qui la glisse pour Kolo Muani. Le but! 5 buts à 0!
Mais c'est une leçon de football là qu'on fait. Waouh, c'est trop les gars, je m'attendais à un match serré et tout. Pas du tout. Pas du tout. La défense de Monaco, elle est très passive, très très haute aussi, je trouve. Il y a beaucoup de trous. Écoutez, c'est parfait pour nous. On va pas s'en plaindre. Et je pense en plus là, s'ils veulent marquer, ça va continuer de s'ouvrir, etc. Donc, va falloir en profiter. Bien joué Bradley. Bien joué Colo. Eh mais Colo Muani, il fait un super match. Hein. Allez. Oh non, j'ai essayé de la glisser à Ousmane. Ça aurait pu faire 6-0 à la mi-temps, les gars. Résultat de dingue, dommage. Allez, on va. Gestion d'équipe, sortir les joueurs les plus importants. Donc Vitinha, ça sort. Renato Sanchez va passer la ligne Kangin ici. Asensio, il va rentrer. Ici, on va faire entrer Désiré Doué. Nuno Mendes, il va sortir. Thiago Santos, il va rentrer. Marquinhos, je suis obligé de le sortir, les gars. Super important. João Neves, pour l'instant, il est en top forme. Donc, je vais le laisser sur la pelouse. C'est parti. Deuxième mi-temps. Le match, il est déjà plié, les gars. Bien joué, Donnarumma. Bien joué, la parade en deux temps. Très, très bien joué. C'est important aussi de garder le clean sheet. Montrer à Manchester City que ça va pas être facile de venir marquer ici. Et là, Désiré Doué, mais c'est magnifique ce qu'il a fait, les gars. Je crois qu'il y a eu petit pont. Hein. Incroyable. Et Mbolo, il a fait ce qu'il voulait. Donnarumma, il s'est jeté par terre au lieu de rester debout. Debout, il l'aurait contré, les gars, carrément. Il l'aurait même pas arrêté, il l'aurait contré. Mais bon, il a voulu se jeter par terre. 3 buts à 1. Malheureusement, on encaisse un petit but. C'est triste, mais c'est comme ça. João Neves, non, mauvaise passe, pas assez puissante. Bien joué. Bien joué, João Neves. Bien joué, direct pour Randall. Purée, c'était une belle action, il reste un quart d'heure, on va le faire ensemble. Achraf Hakimi qui va récupérer ce ballon, Achraf Hakimi qui va frapper, Achraf Hakimi! What? What, la frappe qui nous sort, les gars. Mais waouh, je vais me nettoyer les yeux pour le ralenti. Elle est magnifique. Oh là 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 là, comment elle part. Barre en 30 en plus. Oh là 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 là. Magnifique. Pouf. Le banger d'Hakimi, les gars. À la 77e minute de jeu. 6 buts à 1 face à l'AS Monaco. C'est tout simplement dingue. La performance, elle est incroyable de nos joueurs. Incroyable. Et Hakimi, franchement, en plus, les gars, il a toujours l'endurance. Il est toujours présent dans les matchs. Non, vraiment, il est trop fort. Oh là là, il a frappé largement à côté, heureusement pour nous. Il y a Rota qui est rentré pour Monaco. Je sais pas si c'est Diego Rota, le milieu gauche de Rennes. Rota. J'en sais rien, dommage Achraf Hakimi, là c'est pas passé par contre, Golovin. Golovin, attention, il est seul au second poteau. Bien joué Hernandez, on avait bien anticipé. Presnel. Oh là là, mais c'est très costaud derrière. Bien joué, Hakimi, Ninkangin. Allez, on va changer de côté avec João Neves. Thiago Santos. Désiré Doué. Dommage. Ok, attention. Dernière minute, dernière seconde même dans ce match. Bow! Wesh! J'ai cru qu'il allait siffler la fin de la première mi-temps, mais même pas. On a. Bien joué, Kimpembe. Monsieur l'arbitre. Il veut pas, hein. Ok, c'est bon. Victoire 6 buts à 1, les gars. On a tué le match lors de la première mi-temps. Franchement, c'est magnifique. Si on peut faire ça là, tout de suite, face à Manchester City, on le fait, mais direct. Directement. On n'hésite même pas une seconde. On le fait, les gars. Marquinhos, homme du match, carrément. Ok. Hernandez, on rejette. 89 millions, ils ont refusé. Sporting, ils sont en train de réfléchir pour le moment. On continue d'avancer. Colo Muani dans l'équipe de la semaine, en plus. Les gars, pourquoi il veut partir? Je le comprends pas. Analyse de l'adversaire, Alando. On les a battus, là. Il y a un mois, même pas, on les a battus en Ligue des Champions, justement, chez nous. Les gars, c'est le même match, les mêmes adversaires. Faut reproduire le même match. Une victoire, c'est tout. Hakimi, fatigué pour une fois, purée, non. Et du coup, là, pas chaud.
Ouais, purée, Hernandez équipe MB, ils sont fatigués. Mais non, pas chaud, il avait un carton rouge, j'avais oublié. Je vais mettre Skriniar sur le banc. On va mettre Locu sur le banc également. Hernandez, il est KO. Moscardo. Ouais, à la place de Doué, on va mettre Mayulu là. Après, le reste de l'équipe est en forme, ça va. C'est parti, les gars. Playoff, match aller de cette nouvelle Ligue des Champions face à Manchester City chez nous. On est obligé de gagner, les gars. On est obligé de gagner ce match. Ça va être chaud. Ousmane Dembélé. Ousmane, 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 Ousmane. Je te parle, Ousmane. Concentre-toi. Concentre-toi. T'as une occasion, un but. Face à Monaco, tu l'as fait, là. Tu marques aujourd'hui, Ousmane. Tu marques. J'ai besoin d'un gros Ousmane Dembélé. D'un gros Bradley Barcola, là aussi. J'ai besoin de vous, les gars. On va se regarder un peu la cinématique d'avant-match. Les joueurs qui rentrent sur la pelouse. De Bruyne. Les gars, on les a battus il y a 2 semaines, même pas là, dans la carrière. Il faut gagner absolument. On ne peut pas se faire éliminer de la Ligue des Champions en playoff. Ok, c'est Manchester City. Ok, on n'a pas fait le taf avant, on n'a pas terminé dans les 8 premiers. Mais on ne peut pas se faire éliminer en playoff. Même si c'est Manchester City. Non, je refuse. Alors, mon équipe, on y va. On va sur la pelouse. On va gagner ce match. Je m'en fous. On va gagner ce match, les gars. On va continuer l'aventure. Bon, attention. On peut peut-être gagner 1-0 là et perdre 4-0 au retour. Non, on va se qualifier. Allez, mais d'abord, on prend le match aller avant de penser au match retour. Et puis, c'est parti, les gars. Sur cette pelouse du Paris Saint-Germain qui n'est pas magnifique. Oh là là, ils mettent la pression directe. Ils mettent la pression directe. Ok, bien joué, Vitinha. Belle récup. Ouais, le jardinier, il aurait pu faire mieux. Je voulais dire ça. Allez, on va se concentrer sur le football. On s'en fout de la pelouse. Pouh, Ousmane Dembélé, ça aurait pu être nickel, ça. Hein. Ça aurait pu être incroyable. Dommage. Allez, concentration, les gars. Alors, je, non? Oh, les gars, j'ai eu peur. Première frayeur de notre côté. Nuno Mendes qui prend un jaune, ok. Bon. S'il veut, hein, l'arbitre. Zaïre Emery, il porte trop bien le ballon, Zaïre Emery, hein, franchement. Il n'y a rien à dire sur ça. Oh là là, Ousmane, il allait faire le tour de Stones, dommage. Allez, Ousmane, où c'est que tu tires bien les corners? Ah, Ederson, il est venu s'imposer. Bien joué, Warren, il met par terre De Bruyne, magnifique. Hakimi, vers Ousmane. Ousmane, le deuxième. Purée, Bradley, il était tout seul, dommage. Allez. Dembélé, ce côté-là, t'aimes bien? Marquis? Ouah, il est entre deux gros costauds de Manchester City, là. Pourquoi j'ai perdu la balle, là? Oh, les gars, j'ai eu peur qu'elle ait une déviation chelou, là, et bute. Attention, Donnarumma, hein, tu me fais un peu peur, garçon. Bien joué, les gars. Bien joué. Oh là là, oh là là, le football qu'on propose à nos supporters, là. Si ça, c'est pas beau, les gars. Ousmane Dembélé qui va s'offrir peut-être un duel face à Ederson. Oui. Non. C'est trop sur le gardien, Ousmane. Je t'ai dit quoi avant le match? Une occasion, tu me la mets au fond. Gros pétard, là, comme tu sais faire. Purée. On va faire ensemble jusqu'à la mi-temps. C'est parti. Gros match, les gars. Mais pour l'instant, Bradley, de toute façon, on l'a pas trop vu. João Neves, changement de côté vers Achraf Hakimi. Oh là là, mais c'est beau. Ah purée, on perd la balle. Ouais, on perd la balle, on perd la balle. Yeah! Non, pas du tout. Mi-temps, mi-temps, siffle à mi-temps. Siffle à mi-temps. Gros. Merci, merci, monsieur l'arbitre. 0-0, match électrique, les gars, quand même, dans l'atmosphère. C'est waouh. Tu sens que faut faire attention. Il est déjà fatigué, Vitinha. Purée, je vais mettre João Neves là. Et on va faire rentrer Asensio. Hein. Allez, Asensio, homme de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid pendant quelques années quand même. Il connaît ce genre de match. Donc c'est parti. Let's go, on va lui faire confiance. De Bruyne, il attend, ok. City qui conserve le ballon mais qui la perd, oui. Asensio, changement d'aile là. Il est pas trop trop bien exécuté. Hein. La frappe de Foden, c'est à côté. 62e minute de jeu, les gars.
La boulette de Donnarumma, mais ça va sans conséquence. Enfin, c'est plus une boulette de moi-même là. Hein. Jouer vite le 6 mètres comme ça, c'est pas ouf. Surtout dans un match comme ça de Ligue des Champions. Et là, c'est très très chaud, les gars. C'est très très chaud. City, ils ont activé un mode là. Je touche plus beaucoup le ballon. Mode possession activé par Manchester City. Asensio face à son compatriote Rodri, ça donnera rien. On va faire les 20 dernières minutes ensemble, les gars. Allez. Solide. Bien joué, très bien joué. Zaïre Emery, bien joué. Oh là là, le tacle, monsieur l'arbitre, faudra sanctionner ça. Hein. Bradley, pour Nuno, ça passe. Nuno. Nuno, contré par Kyle Walker, purée. Allez, Nuno, là, va falloir aller défendre. Asensio, très bien joué, mon grand. Quoi? Mèche. Bien joué, Nuno. Il est bien revenu dans l'axe. On a bien empêché la passe pour Erling Haaland, mais derrière Foden, il est seul. Bien joué, Donnarumma. Oh là 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 là. Oh là 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 là, on s'en sort très très bien, les gars. 8 minutes de la fin, purée. Mais il va où, Neves? Mon gars, arrête de courir à l'illimité, là. Non, Foden. Bien joué, Donnarumma, lève-toi. Mais les gars, on a ultra chaud. On a ultra chaud. Bien joué, Asensio. Hakimi. Hakimi. Bien joué. Non, Stones qui nous prend la balle. Purée, j'ai cru que ça allait passer pour Gonzalo Ramos, mais malheureusement, ça n'est pas passé. Kimpembe. Quoi? Quoi? Non, pas comme ça. Oui, oui. Voir les gars, ce qu'il a raté, Foden. Mon Dieu. Oh yes, la chance. Oh la chance. Oh la chance. Oh le match, comment il était chaud. Mais on n'a pas perdu, les gars. On n'a pas perdu. Tout sera à jouer au match retour. Oh là 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 là, la chance. Le Real qui gagne 2-0, logique. Sporting aussi. Oh là là. Non, j'en reviens pas, les gars, de ce qu'il a raté dans un match avec peu d'occasion. Non, Foden, ce qu'il a raté, les gars. Oh là 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 là. Non, Foden, on va te recruter, mon gars. Merci. Merci d'avoir raté ça. Seulement merci. Allez, c'est parti. Prochain match face à Toulouse. Let's go, faut gagner. Hein. On sait que notre équipe, de toute façon, elle va pas être en forme. Nouveau message de Colomani. J'étais plutôt en bonne forme. Voilà, Colo, reviens dans ton état naturel et arrête de vouloir partir, mon gars. T'es avec nous, reste avec nous. Donc, match face à Toulouse. Gonzalo Ramos, il est en pleine forme tellement on l'a pas vu dans le dernier match. On va faire opposer les cadres, hein, bien évidemment. Tac, tac, tac. On va faire jouer Moscardo. Vitinha, ouais, il peut jouer, hein. Il n'est pas KO, pas chaud, il peut jouer. Skriniar également. Loco. Et avec Santos, et je vais remettre. Non, on va laisser Donnarumma. Oui, il a fait un match excellent. C'est parti face à Toulouse, les gars. Bien joué, Donnarumma. Belle première parade et belle occasion de la part de Toulouse, les gars. Ne pas oublier que Toulouse, ils nous ont mis 4 ans au Parc des Princes. Il faut absolument se venger. Je perds pas 2 matchs face à eux. Et Donnarumma, il se réveille. Hein, dans cet épisode, oh, Donna. Pourquoi tu m'as pas fait ça plus tôt? Il y a des matchs, t'étais dégueulasse, mon pote. Hein. Faut en parler. Mais là, il est excellent. Là, il est excellent, même si je sais pas ce qui s'est passé. Ça aurait pu faire un but contre son camp. Légendaire. Mais heureusement pour nous, ça va bien. Et là, c'est au-dessus. Ok, allez, on va respirer un peu, là, quand même. Bien joué pour Randall. Désiré Doué. Voilà, mais pas chaud. Mais qu'il est fort, les gars. J'arrête pas de vous le répéter. Randall, non. C'est quoi cette conduite? Bien joué. Désiré Doué. Pour Loco, c'est bien joué. Le centre deuxième de Loco vers Asensio. La remise était bonne, mais il y avait personne à cet endroit-là. Dommage. Skriniar de la tête. Moscardo. Ballon perdu, malheureusement. Mais on récupère vite. Ok. Ça peut partir en occasion. Hein. Je suis pas hors-jeu. Le latéral gauche, le latéral droit de Toulouse, en bas, il couvrait, les gars. Donc, parfait Randal Kolo Muani, 1-0, il est en forme, Randal. Hein. J'hésite à le faire jouer face à Manchester City. Bon, après, là, il va être KO un peu, sinon je fais rentrer Gonzalo Ramos à la mi-temps. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Parce que vraiment, Kolo Muani, dans cet épisode, il plante et il fait des passes D, donc...
pourquoi pas le mettre titulaire. Un joueur qui a la dalle comme ça, c'est toujours important. Vitinha, pour Randall justement. Dommage, on va faire ensemble jusqu'à la mi-temps. Allez. Broyo. J'ai mal lu le petit blason blanc. Babika, attention. Il rentre dans notre surface, il est intouchable. Mais Thiago Santos, il est très très fort. Oula. Donnarumma, attention. Moscardo, qui fait un bon match d'ailleurs. J'aime bien son match pour le moment. D'ailleurs, il a taclé ultra proprement. Ah, oh, purée, Fabien. Je veux Fabien Ruiz. Oh là là, Fabien Ruiz. Colo, il s'est fait les deux défenseurs quand même, hein, dommage. Asensio pour Randall. Oh, c'est pas possible. Non, j'y crois pas. Vitinha pour le corner. Oh, c'est bien tiré. Oh, c'était bien tiré, dommage. Pas de les locaux. Bien joué, ok. Donc, les gars, mi-temps face à Toulouse, Colomwani. Allez, on va faire entrer Gonzalo Ramos. On va voir ce que ça donne. Vitinha, on va le sortir. On va faire entrer Mayulu. J'ai envie de le voir jouer, les gars. J'aime bien ce joueur. J'aime bien. Allez, c'est parti. Deuxième mi-temps. Let's go. Moscardo. Pour Thiago Santos. On m'a dit de lui mettre le numéro 22, d'ailleurs. Faudra que j'y pense. Bien joué, Gonzalo Ramos. Pour Marco Asensio. Allez, si on gardait un peu la balle ici, quoique, Fabien Ruiz, il sait mettre des pétards de loin, il n'y a pas main? Non? Dommage. J'aurais bien aimé avoir un petit coup franc, là. Oh là là, pas chaud! Bien joué, Mayulu. Santos, Gonzalo Ramos. Asensio pour Santos. Santos, non, c'est mal donné! Purée, j'ai abusé, là, de la passe. Bien joué, Mayulu. Qui élimine un Toulousain, mais pas le deuxième, malheureusement. Après, c'était compliqué aussi. Skriniar, oh là là, attention, la balle par-dessus notre défense. Bien joué, Loco. Eh, Loco. Bon, là, il perd la balle. Mais sinon, il fait des bonnes interventions. Bien joué, Donnarumma, encore une fois. Magnifique. Linkanguin, ouais, non, Moscardo, tu vas finir le match. Même si t'es fatigué, mon vieux. Serre les dents. Allez, tu peux le faire. Asensio. Bien joué, Donnarumma. Oh là 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 là. Fabien Ruiz, tranquille. Pas besoin de se presser, voilà. Sinon, si on se presse, on perd la balle bêtement. Mayulu, dans la profondeur pour Gonzalo Ramos. Élimination de Ramos. Oh là là, je suis bête. Il était devant moi, le défenseur, là, quand même. J'aurais pu éviter ça. Bien. Eh, Skriniar, les gars, sans vous mentir, il a fait un top match. Après, là, s'il l'a, voilà, il a fait vraiment un top match. Pour moi, Skriniar a fait un top match là dans ce match face à Toulouse. Magnifique match de sa part. Bon, après, pas de là être titulaire, mais je sais que je peux compter sur lui s'il joue comme ça, donc parfait. Victoire face à Toulouse. On va aller voir le petit classement en Ligue 1 McDonald's. C'est parti. On est deuxième à 3 points de Lille. Ils n'ont pas encore joué, donc on va avancer un peu. Et puis, on ira voir du coup le résultat de Lille. Deux messages non lus. Hakimi retrouve la forme, t'inquiète. Colomwani. Voilà. Il n'y a pas besoin de... Comme je t'ai dit, Colo. Hein. Il n'y a pas besoin de s'enflammer. C'est pas parce que tu ne joues pas une fois qu'il faut te mettre sur la liste des transferts. Il est fou. Le LOS qui ont encore gagné, les gars. Il reste 12 journées de championnat. Ça m'inquiète un peu. On a 6 points de retard. Il va falloir absolument gagner face à eux. Déjà, quand on jouera contre eux, je ne sais pas c'est quand. On va regarder ça. Là, on jouera face à Lyon et ça sera dans le prochain épisode. Incroyable. Donc, ouais, j'espère que ça va le faire. Match face à Manchester City, playoff retour. Là-bas, les gars, ça va être chaud patate. C'est tout de suite maintenant le match le plus important de cette deuxième partie de saison pour le moment. Parce qu'après, bien évidemment, ça peut être une demi-finale, une finale, on ne sait pas. Kimpembe, pas chaud, fatigué. Mes deux joueurs préférés, les gars, mes deux défenseurs préférés. C'est Hernandez qui va jouer dans cette défense parisienne. Renato Sanchez, je suis obligé de le mettre sur le banc, par contre. Pas chaud, tu vas aller là. Ouais, sur le banc, on n'a personne. C'est vrai que j'aurais dû recruter quand même, les gars. Hein. C'est vrai. Purée. Personnalisé au niveau des maillots. Est-ce que on voit bien? Ouais, je pense que c'est mieux, on joue comme ça, hein, que comme ça.
Ouais, on va jouer en tout bleu. Allez, c'est parti. Let's go, les gars. J'ai la pression. Je ne peux pas me faire éliminer là maintenant tout de suite. On va devoir éliminer le grand Manchester City de Pep Guardiola, les gars. On va devoir. On est obligé. Paris est magique. C'est tout de suite, les gars. Waouh, le stade, en plus, ils mettent un bête de tifo. Oh là 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 là. Il date, l'Estate Stadium. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué dedans. Oh là là, les gars. Marquinhos qui rentre dans ce stade. Oh, ça rappelle des souvenirs. Qui s'en rappelle, même quand il y avait Neymar, Mbappé. On s'était fait éliminer bêtement un peu. Hein. On n'avait pas montré notre meilleur football. Avec Laurent Blanc aussi à l'époque. 3-5-2. Pff, non, les gars, on a souffert en tant que Parisien. Je dois relever ce niveau. La pelouse, par contre, là, elle est magnifique. Hein. Ah là, les gars, la pelouse, il n'y a vraiment aucune excuse. C'est parti pour ce gros match de Ligue des Champions. Gonzalo Ramos, on t'a vu partir, mais il s'est arrêté, dommage. Allez, les gars, c'est parti pour ce match de fou. Grealish qui lance à l'onde dans la profondeur, les gars. Oh là là, le début en canon de Manchester City. 1-0 pour Manchester City, les gars. Ça fait déjà mal. Oh là là, le tac. Non, les gars, on n'est pas fait pour la Ligue des Champions, quoi. Réveillez-vous. Allez, mon Paris. Allez, Paris. Allez, Bradley. Allez, occasion, mon loup. Purée, Ederson, c'est quoi ce gardien aussi? Non. Bien joué, Marquis. Très bien joué, Marquinhos. Il y va, Marquis. Il a pas peur. Allez, pressing. Pressing à deux. Voilà, Marquis, par contre, là, va falloir faire tout le terrain parce qu'il n'y a plus personne. Allez, João Neves. Dans le sens du jeu. João Neves. La passe, elle est parfaite. Ousmane, non! Oh non, les gars! Après, les deux, ils sont bien devant lui. Zaïre Emery qui déclenche la frappe, mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible, là! Qu'ils s'en sortent comme ça! Non! On va rester ensemble jusqu'à la mi-temps. Allez, c'est parti. On est dedans. Oh là là, ils font ce qu'ils veulent. Oh, ils font ce qu'ils veulent avec un ballon. Oh, les joueurs de City font ce qu'ils veulent avec un ballon. Oh, c'est abusé. Bien joué, Donnarumma. Non, les gars, c'est trop. Manchester City, c'est vraiment trop fort. Purée. On a. Mais non, on n'a pas du tout. Mais non, on n'a pas. Bien joué. Très belle sortie de balle, les gars. Allez, Bradley. Purée, malheureusement. Ça sort en touche. Bradley, concentré. Oh là 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 là. Bien joué, Hernandez. Oh là là, Hernandez, c'est très bon. Je suis trop bête. Pourquoi je lui fais la passe alors que je vois qu'il est hors jeu? C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, le cerveau humain, quand il est stressé. Les gars, j'ai pas envie de me faire éliminer. Allez, les boys. C'est des faux gars. Allez là, 6 mètres. Allez, on va la balancer très très loin. 80% de possession pour Manchester City. C'est une dinguerie, les gars. Cette stat est une dinguerie. Oh non, j'ai été bête. J'aurais dû aller attaquer. Mi-temps. On est mené 1-0, les gars. Oh, calma. Ok. Renato. Voilà, João Neves, Nkankin. Ok. Les gars, Colomani va rentrer. Il est en forme. Il va rentrer. Gonzalo Ramos, on l'a pas trop vu. C'est parti. On va faire rentrer un attaquant qui a de la gnaque, de fou malade. Je dis pas que Gonzalo Ramos en a pas. Mais là, déjà, ça allait faire une bonne course pour Colomani. Mais malheureusement, ça a été intercepté. Allez, les gars, concentration. On peut encore égaliser. Allez, je crois en vous. Ouais. C'est chaud. Bien joué, Hernandez. Eh, hey, masterclass d'Hernandez, hein. Oui, il est hors jeu. Ousmane Dembélé face à Ederson. Ousmane Dembélé, oui, let's go, Ousmane. Oui, je l'ai dit avant.
avant le match aller. C'est dans ce genre de rencontre que je veux te voir, gamin. Et il fait quoi? Il marque, mais oui. Oh, le gars, le rêve revit. Le rêve revit, l'espoir revit. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. C'est quoi là? Après, il y a des playoffs. Oh là 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 là. Bon, après, c'est comme si c'était des 16e ou 8e de finale, mais c'est encore plus chaud en vrai. Zaïre Emery. Non, pour qui, mon gars? Pour qui? Allez, reprends-toi. Foden qui s'énerve. Ça s'énerve côté Manchester City. Ok, parfait. João Neves. Hop, tranquille. Pour Hakimi. Hakimi vers Zaïre Emery. Emery vers le Lincoln dans la profondeur vers Calabria. Ah ouais, c'est vraiment vers Calabria, quoi. C'était pas vers Bradley Barcola. C'est Calabria. Allez, Calabria, tu vas prendre ta sauce. Bien joué, Bradley. Pur et dommage. Après, par contre, ils sont très bien placés derrière, très très serrés. C'est chaud, les gars. On va faire la fin du match ensemble, bien évidemment. Erling Haaland, ça passera pas, Erling Haaland. Heureusement, il y a un retour de hors-jeu. Heureusement pour nous, j'ai chaud. Waouh. Zaïre Emery. Vers Achraf Hakimi. Colomwani. Ok. Bien joué, Ousmane. Bien joué. Oh là là, Ousmane. Bien joué, Ousmane. Bien joué. Il a fait danser Guardiol. Marquis. Ah, on l'a pas eu. Bien joué. Hakimi. Vers Dembouz. Dembouz. Oh non, j'avais trouvé Randall. Pile l'angle qu'il fallait. Là, par contre, wesh. Savinho. Oh là, la mauvaise touche. Wesh, ma télé elle a bugué l'enregistrement aussi je crois les gars. Non ça va, ok. Ça a fait un écran noir les gars, je pouvais plus rien voir. C'est Manchester City ça c'est sûr. C'est Pep Guardiola, c'est une technique à lui. Ousmane. Wesh, ça va avec les prolongations. Non, ce que je déteste les gars, mais j'ai trop la haine là quand il y a eu l'écran noir. Je sais même pas ce qui s'est passé. Oh là là, j'ai trop la haine, trop la haine. Les gars, je peux faire entrer personne là en vrai. Enfin si, je peux faire entrer Renato Sanchez à la place de Warren. Mais après, les autres, ils ont pas trop genre Mayulu en Ligue des Champions dans ce genre de match. Pour le moment, je sais pas. Hein. On le fera peut-être rentrer en deuxième mi-temps. Parce que ça peut apporter du 109, un peu de rapidité, mais ça va être chaud quoi. Allez, on va faire toute la prolongation ensemble les gars. Comme ça, vous allez rien rater. Aucune action, aucun but. Enfin, même si vous ratez déjà aucun but et presque aucune action. Mais là, vous allez encore plus rien rater. Mais la frappe de Foden, pied droit. Pourquoi il y a faute? Wesh, ça c'est du mytho ça. Pourquoi il siffle faute? Bien joué le mur. Lincoln. Voilà, Lincoln qui dépose Erling Haaland. Oh, y a pas faute là sur Dembouz. Eh, Foden, les gars, c'est une dinguerie ça, son explosivité et tout. Pff, heureusement qu'on a un grand Donnarumma dans cet épisode. Bien joué, Lincoln. Bien joué, loin devant, on s'en fiche. Là, le but, vraiment, c'est limite de les emmener au pénalty. Hein, parce que. Ouf, ouf, ouf. Ils vont la mettre la pression eux. Ils ont les joueurs pour en plus. Bien joué. C'est dans les bras de Donnarumma. Allez les gars, il reste une mi-temps de prolongation. Je vais faire entrer Mayulu. On va tester. On va tester. Mais je fais sortir qui? Je peux pas faire ouais non je peux. Mayulu, désolé mon gars, mais je te fais rentrer où? Dembélé, Barco, c'est des joueurs, ils sont quand même importants, ils sont là. Ouais non, désolé Mayulu, mais. Allez, c'est parti. Deuxième mi-temps des prolongations. Renato Sanchez. Mais oui, on sait sa qualité technique. On le sait. Oh là 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 là, la frappe de Bradley, elle était magnifique. Wesh, ce dégagement, faut faire gaffe. Ok, bien joué. Renato Sanchez, bien joué. Lincoln. Ok. Purée, mais qu'est-ce que c'est mal joué. Qu'est-ce que c'est mal joué de ma part.
Haaland, il va bégayer. Mais non, les gars, mais non, 2-1 pour Manchester City, et là, en prolongation, c'est limite impossible. Limite impossible de... Rien n'est impossible. Il est hors jeu. C'est la fin du match. Les gars, on se fait éliminer par Manchester City. Je suis dégoûté sur une vieille erreur. Un vieux but d'Haaland, enfin de Foden plutôt. Oh non, 2-1 les gars, ça fait mal quand même. Hein. Ça fait hyper mal de se dire qu'on est éliminé de la Ligue des Champions. Après, est-ce que j'aurais dû faire un meilleur mercato? Est-ce que j'aurais dû, les gars, mercato estival, là, va falloir tout remonter. Hein. Tout remonter parce que là, bah, il va falloir recruter du lourd. Je sais même pas s'ils vont me garder, là, carrément, au PSG. Hein. J'espère, les gars. Ça va être chaud. Bon, on se retrouve prochain épisode pour la Ligue 1 Uber Eats, hein, du coup. La Ligue 1 McDonald's, pardon. Face à l'Olympique Lyonnais. Face au LOSC, au Stade Rennais et à Marseille et à Saint-Etienne sûrement. Oh là 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 là, les gars, ça va être chaud. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!